Derrière moi. Souris. Super gros et avec des super cornes. On va aller le voir. Oh là là. C'est un taureau ça. C'est bon. Impossible de passer sur ce trottoir là. Faut vraiment que tu aies des... On va dire que tu es l'air insolite pour passer ici. Alors là, je suis normalement dans un endroit paradisiaque, qui devrait être paradisiaque. Il y a eu des feux de forêt d'une ampleur phénoménale en cabinet. C'est vraiment dommage parce que ici, c'est le lieu est normalement juste magnifique. Et là, on a vraiment perdu quelque chose de très important en cabinet. Plein d'endroits sont brûlés, sont partis en fumée et c'est des arbres qui ont des millions d'années qui sont là normalement et qui aujourd'hui sont morts. Je pense qu'il y a une grande part de responsabilité de la part des autorités parce qu'il n'y a pas d'investissement au niveau de matériel pour les canadaires, etc. pour pouvoir réagir et intervenir très rapidement pour éteindre les feux dès qu'il y a un déclenchement de feu. Mais il y a aussi une responsabilité
de la part des personnes directement. Il y a un vrai souci, c'est que les gens jettent vraiment tout n'importe où. Des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, des bouteilles en verre, vraiment comme ça, juste dans la nature. Ils ne protègent pas cette nature-là. Et je pense qu'il faut faire vraiment un vrai travail de sensibilisation pour dire que eh ben, quand on jette son mégot, quand on jette son, une bouteille comme ça à l'extérieur directement, voilà ce qui se passe directement.